Mais c'est désert ici. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils ont sûrement mieux à faire. Et aujourd'hui, ils inaugurent le salon. Écoute, Preciosa, je t'avais bien dit de ne pas choisir ce jour. Nous devons garder notre calme et être patientes. Voilà, les gens vont finir par arriver. Avec tout le travail que j'ai à la pension, faut que je reste planté là à attendre. Moi, j'ai tout l'après-midi de libre. Je suis même allé me faire coiffer et tout. Par contre, je ne m'attendais pas à vous voir ici. J'allais quand même pas manquer un moment pareil. Pas question. J'ai le pressentiment qu'un événement unique va se dérouler. J'ai plus qu'à attendre. Non. C'est ça. Les gens ne vont pas tarder. Il faut juste être patient. Maman, c'est si tout. Tu veux, je pourrais faire un petit discours pour occuper les gens qui sont déjà là. Tais-toi. Ce qu'on veut, c'est attirer les gens. Pas les éloigner, voyons. Mais qu'est-ce que tu veux dire là, maman? Oh, c'est bon. Je suis déjà assez nerveuse comme ça. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Comment est-ce possible? Comment a-t-elle osé faire ça? Comment? On ne connaît pas exactement la nature de leur relation, mais il me semble évident qu'ils se sont liés pour vous extorquer de l'argent. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Ça reste à confirmer, c'est où. Mais le plus sûr est qu'aucun d'entre eux ne sache où se trouve votre fils. J'ai tellement attendu. Tellement attendu le jour d'hier. J'ai tellement souffert. Si vous voulez me renvoyer, je le comprendrai parfaitement, mais je vous en prie, n'accusez pas Georges. Il n'a fait qu'obéir à mes ordres. Non, non. 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 Je dois plutôt vous remercier tous les deux. Sans vous, allez savoir jusqu'où ça serait allé. Mais ça ne va pas en rester là. Ça ne va pas en rester là, ça non. Ça ne va pas en rester là. Qu'est-ce que vous ça, allez je peux faire? Vous l'assurer. Ça ne va pas en rester là. Ça ne va pas en rester qu'est-ce là. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est où? Ça ne va pas en rester là. Yeah, all in all, got it. Je n'avais jamais ressenti ça pour personne. Tu pourrais très bien être l'homme de ma vie, tu sais. Tu pourrais vraiment. Attends. Attends, Thelma, attends. Allons-y doucement. Je me suis laissé emporter, mais... Mais c'est si bon, pourquoi on se laisserait pas emporter toute la vie? Non, c'est pas ce que tu penses. C'est pas une histoire d'amour, Thelma. Oh, je comprends, en fait. On commence à peine... Je veux dire, ces choses-là, ça prend du temps. Mais peut-être que c'est une vraie histoire d'amour. Tu as vu toutes ces coïncidences? On a failli avoir un accident de voiture. Ensuite, on se retrouve au gala de bienfaisance. Après, tu étais là quand on m'a retrouvée à l'entrepôt. Et maintenant, t'es là pour me protéger. T'es mon super-héros. Attends, arrête. Et moi, je suis arrête, la fille arrête. Dont tu tombes amoureux arrête, sans le vouloir. Arrête, arrête. Arrête, Thelma, s'il te plaît. Je suis là pour le travail, je te l'ai déjà dit. Je ne vais pas le nier, c'est vrai, je ressens de l'attirance pour toi. Mais ça n'aurait jamais dû arriver et ça ne peut plus arriver. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un. Tu as quelqu'un? Oui, j'ai une petite amie. Et maintenant, je me sens mal parce qu'elle ne mérite pas ça.
Tu as une petite amie et tu me dis ça maintenant, après. Non, non, excuse-moi. Thelma, je t'en prie, non. Écoute-moi, écoute, c'est pas si simple, tu sais. Attends, s'il te plaît. Je ne veux plus rien entendre. Je sors d'ici. Os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Ce jour est un jour historique pour notre village. Le jour de la création d'Ostia, le mouvement des femmes unies d'Alvorinia. Et pour que ce jour reste gravé dans vos mémoires comme un jour d'espoir, d'un avenir meilleur, l'hommage mérité à la créatrice du mouvement, Horatio. Excusez-moi. Oh mon Dieu! D'où est-ce que ça sort, ça? C'est ça la surprise que Preciosa a commandée? Mon Dieu, j'y crois pas. J'aurais manqué ça pour rien au monde. Vraiment, Preciosa est une préciosité. À côté de celui-ci, le buste de Cristiano Ronaldo est un chef-d'œuvre. L'art n'est pas à la portée de tous, n'est-ce pas? Et bien heureux, les pauvres d'esprit, parce que le royaume de Dieu est à eux. Amen. Évidemment, il fallait qu'elle sorte sa citation de la Bible. Elle fait toujours ça quand elle est désespérée. Avec un tel buste qui ne serait pas désespéré, n'est-ce pas? Regardons ce buste comme le symbole des femmes unies d'Alvorinia. Celles qui, à mon exemple, se battent pour un village préservé, sans péché, où règne l'exemple, la morale et la décence. Mesdames et messieurs, cette grande dame que vous avez là devant vous, cette grande dame, un exemple de décence, de morale et de bonne coutume, cette grande dame est aussi la femme qui, il y a 38 ans, m'a volé mon fils nouveau-né et l'a fait adopter par un couple après avoir interdit son fils, José-Louis, d'assumer la paternité de l'enfant. On avait 16 ans, on était amoureux et elle a détruit notre rêve. Cette femme que vous avez là devant vous, un exemple de décence, de morale et de bonne coutume, non contente de la souffrance et de la douleur qu'elle m'a causée dans le passé, a monté un vil stratagème pour m'extorquer de l'argent, me faisant croire qu'elle savait où se trouve l'enfant qu'elle m'a pris et que je recherche depuis des années. Cette femme que vous avez là devant vous mérite vos applaudissements. Pour tous ces mensonges auxquels vous croyez tous. Non, ne fais pas ça. Mon Dieu. C'est où, attends ? Maria de Seu, Maria de Seu, laissez-moi vous dire un mot, je vous en prie, allons discuter un instant. Vous êtes bouleversée, vous ne pouvez pas sortir dans cet état, je vous en prie, allons discuter. Vous vous trompez, mon père. Allez. Finalement, je peux sortir avec la conscience tranquille. J'aurais dû faire ça il y a plus longtemps. J'aurais dû montrer à tout le monde qui est vraiment Preciosa Toledo. Chérie, tu as laissé tout le monde sous le choc. Son père, Thelma, Bruno, je t'en prie. Je suis désolée, maman. Je suis désolée que tout le monde l'ait appris de cette façon. Mais je ne pouvais pas. Chérie. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je ne pouvais pas. Je n'en pouvais plus. Ça m'étouffait, mon amour, maman. Ma chérie. Et maintenant, laissez-moi seule. J'ai besoin de prendre l'air. Maria de Seo, calmez-vous. Allons-nous-en. Je vais demander à Georges de nous ramener à la maison. Et maman? On rentre à la maison, Thelma. Notario.
calme. Mais tu as vu ce qu'elle a fait, c'est pas vrai. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Va-t'en. Même quand t'arrives pas à te relever, t'es toujours une personne aussi arrogante. Je sais que tu m'as quitté, mais je suis toujours la même. Ce n'est pas parce qu'une hirondelle meurt que le printemps est fini. Ah, mais enfin! Pardon. Bonjour, vous désirez? Pardon, j'ai cru que vous étiez pas. Un fantôme en apparaissant comme ça. Vous désolé, m'avez fait Graciette, peur. Je ne voulais pas vous faire peur. Désolé. Vous allez bien? Oui, oui, je vais bien, vous oui. Êtes toute J'étais seule. En train de nettoyer. Vous êtes toute seule? Oui, je suis toute seule. Tout le monde est sorti. Pourquoi? Vous voulez parler à Thelma, c'est ça? Non, c'est avec vous que je voulais parler, en fait. Je préférerais que personne ne me voie ici. Oh, monsieur Asunsao, je vous en prie, je ne veux pas perdre mon emploi. Vous voulez me parler pour quoi faire? Qu'est-ce Graciette, que... du calme. Faites-moi confiance, d'accord? Faites-moi confiance. D'accord, mais... Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu. D'ailleurs, je croyais que vous étiez reparti à Lisbonne. Non, je suis venu pour l'inauguration du salon de Thelma. Ok. Mais avant de retourner à Lisbonne, j'aimerais vous demander une grande faveur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'enquête sur l'enlèvement de Thelma est en cours. Et j'ai un contact à la PJ qui m'a dit que s'il n'y a pas d'autres pistes, d'autres indices auxquels s'accrocher, il y aura de fortes chances pour que l'affaire soit classée. Ah non, impossible. C'est ça. Alors, les malfaiteurs vont s'en tirer comme ça, c'est impossible. La police doit les rechercher, ils doivent enquêter à fond, ils ne peuvent pas laisser tomber. Mon instinct me dit que Georges Montalvao est une pièce essentielle dans toute cette histoire. Lui est probablement Myriam Val. Mais actuellement, c'est juste une intuition que j'ai. Je n'ai rien contre eux. Ok, attendez. Écoutez. C'est pas facile de dire ces choses-là. Je ne voudrais pas que ça me retombe sur le coin du nez, mais cette Madame Val ne m'a jamais inspiré confiance à ça. Non, 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 non. Georges, il est différent. Georges est plus réservé. Il est plus à rester dans son coin, vous voyez. Non, vraiment, c'est une personne qui ne se mêle pas des affaires des autres. Et en revanche, Madame Val, celle-là, elle... Elle veut toujours tout contrôler. Elle a toujours un œil sur tout, vous voyez? Et le problème, c'est qu'elle se rapproche de plus en plus de Séou. Vous comprenez? Graciette, je ne veux pas renoncer à cette affaire. Mais pour être franc, pour continuer, j'ai besoin d'informations. Et en ce moment, je n'ai rien. Ce sont des fantômes. Ah, ah monsieur Asunsao, j'en ai la chair de poule. Ah, mais alors... Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Parce que moi, j'aime faire la cuisine, le ménage, très bien. D'ailleurs, mes enquêteries, ça, je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas ce que je peux faire. Bien plus que ça. D'ailleurs, vous allez être mes yeux et mes oreilles. Dans cette maison, je compte sur vous. Voilà. Thelma est une gentille fille. Je l'aime bien. Et je ne veux pas qu'elle vive cette situation une nouvelle fois. Je peux compter sur vous? Olha longe a praia, o bote aguentou. Bom vento sopra forte, que é pra lá que eu vou. Formosa e segura, venha quem vier. Finalmente livre, sem nada a temer. Ah.
Je sais que je vous ai beaucoup déçue. J'ai passé des années à essayer de trouver le meilleur moment pour vous révéler ce grand secret de ma vie, à essayer de trouver les bons mots pour ne pas vous blesser, mais malheureusement, c'est arrivé de la pire manière. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on a un frère ? Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Tout ce que j'ai dit dans cette salle est vrai. Je sais que je vous ai beaucoup blessé et déçu, mais je vous en supplie. Essayez de vous mettre un instant à ma place. J'avais 16 ans quand tout ça est arrivé. J'étais très jeune. J'étais amoureuse. Jamais je n'aurais pensé que le père de mon fils me tournerait le dos quand je lui annoncerais ma grossesse. Et comme nos mères aussi nous ont tourné le dos, j'étais toute seule. Tu aurais pu compter sur mon soutien. Si tu me l'avais dit, c'est où ? Si quelqu'un me l'avait dit... Jamais je ne t'aurais laissée toute seule, ma chérie. Natario, Écoute, ce que tu as fait ne mérite aucun pardon. Tu t'es laissée embobiner par Preciosa. Elle cherchait juste à éviter que la honte ne s'abatte sur sa famille. Quelle bande de lâches! Que des gens sans valeur, ni cœur. Au début, ils ont essayé de me convaincre de me faire avorter. Mais je n'en ai pas eu le courage et j'ai prié pour que Dieu m'aide à mener ma grossesse à terme. J'ai caché mon ventre comme j'ai pu. Et je me suis préparée à accoucher toute seule. Je voulais garder mon bébé et fuir loin d'ici. Nous serions partis bien loin où personne n'aurait pu nous trouver. Mais le jour où Raphaël est né... Oh, mon bébé. On m'a arraché mon fils des bras. Mon bébé. C'est où ? Non, allez, mon bébé, donne-le-moi. Ça suffit. Non, je vous en allez, prie, mon ça bébé. Va aller. Non, je s'il suis vous plaît. Là. Non, s'il mon te plaît, bébé. Mon bébé, non. Calme-toi, s'il te plaît. Preciosa a dégoté un couple d'émigrants qui l'ont emmené. Mais comment est-ce possible, maman ? Comment est-ce que tu as pu les laisser l'emmener ? Ce n'était pas la faute de votre mère. Elle n'était qu'une enfant. Elle était fragile. Elle avait peur. En fait, c'est Preciosa et moi qui l'avons convaincue de remettre le bébé à ce couple. Dans l'espoir qu'il puisse vivre une vie meilleure. Dieu du ciel! J'ai mis des années à pardonner votre grand-mère. Mais je suis convaincue qu'elle l'a fait avec la meilleure des intentions. Elle a pensé que cet enfant allait être un poids pour moi. Si c'est arrivé il y a 38 ans, pourquoi tu ne nous en as jamais rien dit ? On n'était pas dignes de ta confiance ? Non, chérie. Malheureusement, je n'en ai pas eu le courage. Quand j'ai commencé à sortir avec votre père... J'ai gardé ce secret de mon passé parce que j'avais honte. Et ensuite, le temps a passé et c'était de plus en plus difficile de le révéler. Et tu as gardé ton mensonge, bien sûr. Tu nous as menti à tous. De quel droit tu te permets d'humilier Preciosa devant tout le monde alors que tu as fait exactement la même chose ? Notre vie n'est que mensonge, maman. Bruno, ne parle pas comme ça, maman. Tu calmes.
Preciosa m'a fait croire qu'elle savait où se trouvait Raphaël. Elle a profité du dernier espoir que j'avais de retrouver mon fils et elle a monté un stratagème pour m'extorquer de l'argent. J'ai des preuves. C'est pour ça que je l'ai démasqué. Mais tu ne sais pas où il se trouve aujourd'hui ? Hélas, non. J'ai suivi plusieurs pistes. Et aucune n'a abouti. Mais Preciosa a été la plus grande démenteuse. Je veux que vous sachiez que, même si vous avez un frère, je ne vous en aime pas moins pour autant. Mon rêve est de le retrouver, de réunir toute la famille. Mais tous les deux, vous êtes, et vous serez toujours, toute la vie, mon plus grand trésor. Mais quelle famille réunie, maman ? Notre vie n'est qu'un mensonge. Je n'ai pas le moindre intérêt à rencontrer ce type. J'espère qu'un jour, vous me comprendrez et vous pourrez me pardonner.